Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis encore avec... Sancho de Cuba qui a le Sancho pour la salsa. Yes! Attends, cette boxe on l'a déjà fait. Mais non, Sancho. Mais oui, c'est la Geekville. Mais c'est pas la Geekville, ça c'est la Stanley Limited Edition Block. Ah, l'unboxing 46, pas je savais qu'on l'avait Sancho. Fait. Ça c'était The Stanley Box. C'est pas la même chose, les deux? Non. Tout mélangé maintenant. Vous l'aurez compris. Il s'agit de la Stanley Limited Edition Block. Le bloc trahi, un peu la Nerd Block qui se cache derrière. C'est Nerd Block qui a fait une boîte édition limitée sur Stanley. On peut reconnaître ses lunettes et sa moustache qui le caractérisent très particulièrement. Oui, donc je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai peur, en fait, puisque c'est Nerd Block qui se cache derrière. Par contre, c'est Stan Lee, donc je suis partagé. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir, de l'unboxer et de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est rouge comme la Geekville, comme Sancho l'a dit. Mais il y a une toile d'araignée sur le côté. C'est The Stanley Collection par POW Entertainment, comme la Stanley Box qu'on a unboxé lors de l'unboxing 46. On reconnaît un peu sa moustache et ses lunettes. Encore de la toile d'araignée, encore ça et sa signature. Donc c'est ce qui résume un peu la présentation de la boîte. Un format plus petit que la Stanley Box 1, mais ne tardons plus, allons voir ce qui se cache à l'intérieur. Voilà, donc il y a un petit plastique qui la protège de la pluie, mais bon, comme à l'habitude, je vais ouvrir, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, il ne devrait pas avoir de récapépète. On a ici des boutons de chemise, qui décrivent Stanley. Pour vrai? Ben oui, c'est exactement ça. Ok, c'est The Stanley Collection. Oui! Ça peut pas tomber plus geek que ça. Très bien. Ouais, c'est intéressant. J'ai un macaron, Friends and Fans of Stan Lee, Excelsior. Voilà, je vous mettrai les images en grand pour que vous puissiez le voir en même temps que moi. Voilà, c'est un macaron, c'est pas plus. Parfait, je sens comme un t-shirt. Je sais voir s'il y a d'autres petits articles. Voilà. Excelsior Coin, Metal Coin, Comic Cell Inside. C'est une monnaie avec des comics dessus. Oh, sweet! Une belle monnaie en métal. Oui, qui dit Excelsior Limited Edition Collector Coin Face Front True Believers 2016. Excellent! D'un côté, il y a les écriteaux, je vais mettre ça en grand ici. Bon. Et de l'autre côté, ici en bas, on peut voir son visage entouré avec des splash, bang, zap. Donc c'est... Oui, waouh! Très, très beau.
Wow, vraiment, cette monnaie, je m'attendais pas, mais ça, wow, ça s'annonce bien pour le reste de la boîte. Donc, est-ce qu'il y a autre chose de petit ici? Ah oui, Nerve Block avait un peu spoil pour essayer de teaser plus de monde et avait montré une bague Stanley. Wow! Excelsior! J'aurais préféré que ça soit écrit Stanley, mais wow! Trop petit pour mes doigts! Wow! Ouais, mais je la porterai pas, ça c'est certain. Je vais laisser ça comme ça, ouvert en exhibition. Sweet Excelsior. Wow, ok, voilà deux articles qui vraiment wow. Donc ça s'annonce bien, puis c'est les plus petites boîtes. Donc on va y aller avec le t-shirt directement. Oh, sweet. Oh, Stanley, voilà. The Stanley Collection, exclusif. Honor Block, un retail value de 25 $. Wow, j'adore. Je suis pas très fort pour les t-shirts rouges, mais là, avec Stanley dessus, wow, parfait. On continue. Cette petite boîte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ocarina of Doom? Vous êtes sérieux? Il a en fait comme une sorte de petite flûte, comme dans Ocarina of Time de Zelda. Mais de Stanley. Waouh, c'est. Waouh, céramique! Je m'attendais pas à recevoir quelque chose comme ça. Jusqu'ici, je suis très surpris. T-shirt, je m'en attendais. Je m'attendais pas à ce design-là particulièrement. Mais quand même, ces trois articles-là, juste là, c'est très intéressant. Une autre boîte. Oh! Figurine assez médiocre représentant Stanley exclusive, c'est une Sodaz. Il y a eu ça des boîtes qui en avaient unboxé une. Je vais voir si je retrouve le lien de l'unboxing pour vous mettre dans la description. Mais vous voyez, c'est un petit contenant pour mettre dedans, mais on comprend que faut que ce soit quelque chose qui soit sur le long pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose à cacher, même là. Peut se déboîter, mais quoi bon? Voilà, donc ça c'est la figurine. En plus, il est très, il est pas très, pof. Je peux mettre un pas pour moi à l'intérieur. Ça avait déjà été ça. Donc là, je sens qu'il reste juste comme des livres ou des magazines. Ça, c'est un bloc-notes. On en a tellement eu de la part de Nerd Block. Bon, un sketchbook. Voilà, en relief, on peut voir Stanley. Toujours le même visage, celui du t-shirt, celui du macaron, avec sa signature en bas. Pas sa signature, mais
Et c'est des pages blanches, voilà. Donc, vraiment, sketchbook. Rien de vraiment fantastique. Mais quand même, très appréciable. Voilà. Donc, malheureusement, c'est tout noir. Si le relief avait été blanc, peut-être, ça aurait été plus intéressant. Ensuite, oh, Excelsior, on dirait une photo. Et donc, noir. Je m'attendais plutôt à une photo signée de lui. Mais bon, on lira ça en temps et lieu. C'est vraiment pour son fan club. Pas de problème. On continue. D'accord, un petit comic de Hugh Inhumans, édition spéciale numéro 1. Le classique Fantastic Four numéro 46 et plus, présenté par Nerdblock. Donc un petit comic, voilà, parfait. Ça fait toujours plaisir. Oh, il nous reste un petit quelque chose. Une petite photo de Stanley qui pend comme Spider-Man. Donc, oui. Par contre, la photo de la Stanbox était beaucoup plus belle. Ça, c'est juste comique, mais quand même très apprécié. Puis le récapépète. Stanley Lipopin. Oh, il semblerait que j'ai pas eu ça. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc, pas une mauvaise boîte, mais un peu déçu quand même. Je m'attendais à une figurine mieux que ça, ça je dois l'avouer. Je m'attendais à une photo signée, honnêtement, pas à ça. Donc, ouais, une boîte moyenne quand même. On ressent le nerd block là-dedans. Je me disais que c'était la boîte qu'allait me dire si je continuais à commander leur boîte édition spéciale. Déjà, je rappellerai qu'on a essayé la IGN Block qui, malheureusement, m'a aussi un peu déçu. Maintenant, on essayait celle-là. Je peux pas m'empêcher de la comparer à The Stanley Box qu'on a unboxé lors du l'unboxing 46 et de voir la qualité dans la Stanley Box alors qu'ici oui deux articles qui sont durs à battre, ça je l'avoue. Par contre le reste ne ressort pas vraiment. Le t-shirt oui est vraiment beau alors que dans la Stanley Box on n'avait pas de t-shirt. Par contre il en fallait plus, il fallait une autre figurine que celle-là, vraiment. Parce que. Bof. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Je veux le savoir. Quel est l'article que vous avez le plus préféré? Moi, personnellement, c'est le coin. La monnaie était vraiment belle. Mais je veux le savoir, vous. Dites-moi-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce en l'air, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez si vous voulez que vos amis et collègues puissent aussi voir l'unboxing de la Stanley Limited Edition Des mêmes Black. conneries, on est Donc, addict. Le sexe, et comme à l'agneau, l'habitude, la drogue ben, je vous remercie douce d'avoir et dans la regardé, je vous dis à la musique. prochaine!